Et donc, tout le monde, c'est Peter l'entrepreneur, pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va faire une comparaison, on va regarder un peu toutes les miniatures que j'ai pu réaliser, que j'ai pu faire vraiment. Je vais pas prendre les premières miniatures de ma chaîne, mais en fait, j'ai juste pris une image sur YouTube et je l'ai mis, voilà, en mode bah, les couilles. Du coup, ma première miniature, VS, ma dernière miniature, merde, je vous ai spoil. Du coup, ça c'est ma toute première miniature que j'ai faite moi-même sur ma chaîne YouTube Pitroll. Vous voyez, elle est vraiment pas ouf, les couleurs elles vont pas ensemble et tout. Best of Fortnite Pitroll, hashtag 15, avec le sniper, voilà, c'est pas ouf. La seconde, voilà, elle est pas mal, mais elle est pas incroyable parce que le top 2, voilà, je sais pas, en vrai, je trouve pas ça ouf, incroyable. Après, celui-là il est vraiment moche parce que le fond on voit rien. On voit vraiment rien et genre on voit même pas les dégâts, du coup j'ai dû mettre un truc là, 189 pour montrer les dégâts, c'est pas ouf du tout. Après Switch Player et Highlight H4 ça va bien, mais le fond il est vraiment dégueulasse. Après ça c'est Best of Pitroll hashtag 15. Quoi, hashtag 15? Attends. Quoi? Attends, j'en ai fait 2 hashtag 15. Ouais, je suis peut-être con. Du coup bah voilà. Là celui-là il est pas mal en vrai, il est pas incroyable mais il est pas mal, voilà, avec la petite explosion au milieu, c'est pas mal, ouais. 84 de dégâts, voilà. Après Ncam sur le Switch, ça c'est une miniature un peu basique, il n'y a pas grand chose dessus, elle est pas incroyable mais elle est pas mal, je veux dire, elle est bien aux yeux, je veux dire, c'est pas mal en vrai. Après celle-là, bon voilà, celle-là c'est pas une sur Fortnite, du coup c'est différent, on parle du déconfinement. Je pense que j'ai un peu abusé sur le texte, mais bon, en vrai, elle est bien putaclic la miniature, et voilà, ça passe bien tranquille. Celle-là, vous allez savoir que c'était ma première où je mettais ma tête, et j'arrivais vraiment pas genre à couper, du coup j'ai laissé tout le truc, du coup c'est dégueulasse. Et ça, on voit même pas, il y a plein de lettres qu'on voit à moitié, genre le J et le X. Sinon, là, on voit bien Rateox, on le voit bien. Et sinon ça va, c'est pas mal, et sinon voilà, voilà, celle-là elle est pas mal du tout. Vidéo importante, j'ai besoin de vous, voilà, celle-là elle est pas mal, j'ai bien coupé et tout, on voit juste un peu le blanc, mais c'est pas ouf, c'est pas trop croissant en vrai. Là on voit bien, ça on voit bien, et voilà, ça c'est une bonne idée je trouve. Après, vous voyez, j'essaie de me critiquer, mais genre je sais pas trop quoi dire. Après, comment enregistrer la suite? Là, celle-là, je suis vraiment fier de moi. Genre, ma tête, elle est vraiment de full butaclic, je trouve. Et j'ai bien réussi à prendre le moment où j'avais mis ça et ça ensemble. Et du coup, ouais, je trouve ça pas mal. Et du coup, voilà. Celle-là, elle est pas mal du tout pour un tuto. Elle est vraiment pas mal. Mais j'aurais pu peut-être écrire des tutos de pied en haut ou un truc comme ça. Peut-être que j'ai manqué ou voilà. Pokémon bouclier, hashtag 3, on capture un Dynamax. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste pris une image à un moment quand je me fightais contre le... Ah, merde. Le Dynamax, voilà, celui-là et mon Pokémon là, et j'ai mis ma tête au milieu et j'ai écrit le titre. Celle-là elle est pas, j'ai pas fait grand chose, là j'ai bien réussi à couper, sauf qu'en fait j'ai pas bien mis ça ensemble là et là, mais sinon c'est pas grave, c'est pas mal en vrai. Celle-là elle est pas mal en fait. Vous avez pas vu ça comme ça, vous l'avez vu, vous avez pas vu le bas en fait, parce que comme je l'avais mis sur téléphone celle-ci, et celle-là sinon elle est pas mal. Et sinon je trouve qu'il y a trop de trucs ici, j'ai mis trop de trucs. J'aurais peut-être dû mettre le titre un peu au-dessus avec le lance-roquette un peu autre part. Je trouve que là c'est un peu trop surchargé. Mais sinon ça va, c'est pas mal, ma tête elle est un peu putaclic mais pas trop je trouve. Bah celle-là, la vidéo elle est bien putaclic, mais sauf que j'ai un peu fait un truc tout dégueulasse. Merde, j'ai fait un truc un peu tout dégueulasse, mais sinon c'est pas grave. Sinon ça va quoi, c'est pas mal. Ah non, le titre c'est pas du tout bien, je l'ai mis en dessous alors qu'il vaut mieux le mettre au dessus pour qu'on le voit bien. Après celui-là voilà, c'est pas mal, on voit le gros laser 70-35 là. Best of Pitroll hashtag 18. Mais je sais pas, la couleur elle est pas mal en vrai, et sinon ma tête elle est pire putaclic. Et sinon là, Best of Pitroll hashtag 19, là ouais, on voit bien le moins 330 aux barrettes. Et ma tête, voilà, qui pète un câble, mais ça fait un peu bizarre d'avoir les mains qui s'arrêtent là tout de suite, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Là, celui-là, il est pas mal, la miniature, j'ai mis un bon fond. Bon, peut-être le moins 160, j'aurais dû écrire moins 160 et pas prendre une image du jeu. Ou alors faire le 1, le 6 et le 0, mais pas faire un truc comme ça, c'est un peu moche, je trouve. Après, le pompe, voilà, c'est une bonne idée, ma tête, voilà, c'est pas mal. Sinon, ça, c'est un peu bizarre, ça. Merde.
Je trouve ça un peu bizarre que ça fasse merde. Que ça se coupe un peu ici, mais sinon c'est pas trop grave. Sinon le titre il est bien, il est écrit en blanc, il est gros, il est lisible, c'est pas mal. Là ouais, bon celui-là, le seul problème c'est là où ça se coupe des deux côtés, mais sinon c'est pas mal. Et sinon en fait là je suis en pyjama, du coup je suis un peu, j'aurais dû peut-être prendre autre chose, mais sinon c'est pas le plus grave. Sinon là bah en vrai c'est pas mal d'avoir mis nouvelles et séries là, je trouve que c'est pas mal en vrai. En vrai je me critique, mais en fait je sais pas. Highlight hashtag 5, oui celui-là il est pas mal parce que le fond en vrai il est bien. Et du coup j'ai pas mis un fond du jeu, j'ai mis un autre fond et ma tête sinon elle est bien, à part qu'on voit ma chambre là, mais sinon c'est pas grave. Avec mon skin et sinon c'est bien. Ouais. Mon skin qui est par-dessus, du coup on dirait vraiment que genre ouais. En vrai je trouve ça pas mal celui-là. Ça on voit la map Fortnite. Mais pourquoi j'ai mis la map Fortnite, je ne sais pas, je crois que c'était un peu une mauvaise idée. Sinon le pompe c'est bien avec peut-être la manette et le perso. Sinon best of hashtag 20, ouais, c'est bien écrit. Sinon j'aurais peut-être dû mettre autre chose que la map Fortnite en fond. Voilà. Après là le rouge, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée, mais sinon en vrai les miniatures elle est pas mal en soi. On voit bien où j'ai spawn. La victoire royale, le pompe là, j'ai mis, celui-là c'est un peu coupé, mon skin ici, une tête bien putaclic avec la grosse casquette, et sinon le titre, bon on le voit pas très bien, j'aurais pu le mettre en blanc je pense. Celui-là en vrai, c'est pas mal, mais j'aurais peut-être dû mettre autre chose que celui-là en box fight, mais c'est juste que j'ai pas trop, j'ai un peu la flemme de chercher, pas vous mentir. Sinon un joueur juste en box fight, voilà c'est pas mal avec mon skin, mais ça c'est gênant toujours je trouve, le petit coupé là, la manette de switch, le moins de sang. Et ma tête putaclic, voilà. Mais sauf qu'il mange le pic collage, du coup c'est un peu moche. Voilà celle-là. Ma première cup solo cash cup. Bah ouais, c'est pas mal en vrai. Là en vrai, j'aurais peut-être dû pas faire dépasser les trucs de côté, c'est un peu moche. Ça se voit que c'est un truc rajouté par-dessus et avec un point d'interrogation, mais en vrai, c'était une bonne idée, je pense, quand même, de mettre un point d'interrogation pour pas que tout le monde y voit être mon point direct. Et la tête bien putaclic avec les doigts, sinon on voit un peu là la chambre, c'est un peu moche. C'est pas grave, sinon c'est pas l'image du jeu, l'image réelle, et voilà, sinon c'est plutôt pas mal, je trouve. Après, là, voilà, celle-là, je vais pas faire de commentaires dessus, ça sert pas à grand-chose. Du coup, entre ma première miniature Fortnite, celle-là, où genre c'était un peu dégueulasse et tout, on voyait le viseur du sniper et tout, et ma. On va dire, puisque celle-ci, c'est pas du tout la même chose, c'est un truc un peu différent. Celle-ci, je trouve qu'il y a vraiment un bon changement. On voit bien l'amélioration et sinon bah sinon les seuls conseils que je peux vous donner c'est essayez pas de prendre des trucs du jeu je pense. En vrai essayez pas de prendre des miniatures du jeu à part si c'est bien clean et voilà. Mais essayez de prendre des trucs à part, genre par exemple la map en box fight. Mettez des trucs, par exemple ça moi je trouve ça stylé, mais après dites-moi votre avis. Et sinon bah j'espère que bah en vrai on voit largement une bonne amélioration. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et une amélioration, c'est ce qui est important parce que quand il n'y a pas d'amélioration, eh bah, du coup, c'est là où on commence à perdre du truc. Parce que imaginez, je veux dire, entre ma première et ma dernière miniature, il y avait zéro amélioration, ça servait pas à grand chose quoi. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mes miniatures là. J'en ai combien? Juste regarder combien. Il y en a 22, plus 23 avec une que j'ai pas mise parce que je la trouvais plus. Du coup voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Vous me dites si ce genre de petite vidéo comme ça vous plaît, si vous avez d'autres types de vidéos comme ça que vous pouvez me mettre dans les commentaires et tout. Du coup moi je vous dis bye les gens, c'était Pitroll. Et du coup bah j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis bye les gens, c'était Pitroll.